depuis petit, on fait comprendre que on fait nous comprendre, on fait nous étudier l'école que des salines c'est un sauvage. Exactement. Napoléon, malgré tout crime qu'il a fait, on peut jamais entendre un blanc français à parler mal de lui. Et pas que c'est crime, il y a fait étudier l'école. Mais pour ça, il va faire nous étudier dans l'école là. Mais pour ça, il y a avant de vouloir étudier dans notre dialecte maternel, il faut déjà l'élever au rang de langue. Oui. Et de plus, le créole ne peut t'amener nulle part, mon ami. Vous cherchez un agent du colon pour s'en détruire ça. Mon ami, tu peux te mentir autant que tu veux. Tu peux te mentir autant que tu veux. Mais tu sais bien. Tu sais bien. On a besoin de l'anglais et du français pour étudier partout ailleurs. C'est manière ça va apprendre nous pour nous invisibiliser tête nous, tout ça qui gagne rapport avec identité nous, tout ça qui gagne rapport avec transmission culture tout bagaille, nous automatiquement gétant dit que pas aucun valeur mais nous automatiquement dit que pas bon. Et c'est ça qui fait ah? Et c'est ça qui fait nous abdétu couler nous. Et puis quoi fini? Même les problèmes, on a des responsabilités, nous refusons de partager les responsabilités. Journée aujourd'hui, nous avons essayé de monde que nous avons un mandat pour prendre des décisions qui ont fait choix économique et politique pour le pays. En premier lieu, c'est le choix qui a fait qui impose que moi-même, en tant que citoyenne, je consomme de ces bails, je vis dans ces conditions. C'est pour nous bailler responsabilité parce que nous payons taxes pour ça, nous payons un mandat pour ça et nous avons un privilège pour ça. Journée aujourd'hui, on prend responsabilité, on prend faire travail et on prend bonne décision. Imagine le monde qui a vécu la saline. Il n'y a pas manger et sécurité, il a tiré sur lui dans la tête tout le temps. Si le monde n'a pas réfléchi à l'école parce que tout le temps il a fait des bruits de balles, bandits, il n'y a pas manger. Et puis pour nous, mon chef, un candidat vient promettre lui sécurité, lui promet lui un plat manger chaud. Après le tremblement de terre, plus de 11 milliards de dollars qui finissent. N'a pas parlé de Petro-Caribe, mais n'oubliez CIRH là. N'oubliez CIRH là.